Donc, comme on a vu tout à l'heure, on va au niveau des extensions, donc on va pouvoir les insérer entre un niveau 2, entre un niveau 3 et un niveau 4. Donc, comme c'est représenté sur le schéma, c'est pour ça que je vous disais que l'on peut considérer les extensions comme des protocoles de niveau 3,5. Alors, 3,5, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils seront invisibles du cœur de réseau. Ça sera vu comme des protocoles de niveau supérieur. Et ça sera visible simplement pour le destinataire du paquet qui devra faire des traitements avant d'arriver vers son niveau 4. Donc ici on a un exemple classique de paquet, hein, le plus standard possible, avec un en-tête IPv6 suivi d'un en-tête TCP et ensuite des données. Donc on peut s'amuser à faire des choses un peu plus compliquées, par exemple rajouter une extension, on va les voir tout à l'heure, de routage. Donc dans ce cas-là, dans le champ NextHop, je mets Routing, et j'ai un champ aussi NextHop au niveau de mon extension, dans lequel je mettrai le prochain protocole, donc dans ce cas-là, TCP. Le champ Routing aura aussi sa longueur, ce qui me permettra donc de pouvoir le traiter ou l'ignorer, suivant des bits que l'on aura mis au niveau des valeurs des extensions. Alors on peut après s'amuser, par exemple, à rajouter derrière un champ routing, un champ fragmentation, ainsi de suite. Donc, champ fragmentation, bah, ça sera l'extension qui contiendra les informations qu'on a retirées au niveau de l'en-tête IPv4 pour faire la fragmentation. Alors, pourquoi c'est mieux de passer en extension plutôt qu'en option? Bon, on va le voir sur un exemple ici où vous avez une machine A qui veut parler avec une machine B, et ce que l'on impose, c'est de passer par un routeur R1. Pour une raison ou une autre, on voudrait imposer le passage par R1. Donc en IPv4, c'est possible. Qu'est-ce que je fais en IPv4? Je fais un paquet et un en-tête de paquet dans lequel je mets un champ option. Donc au niveau de l'en-tête obligatoire, je mets comme destination R1, et au niveau de mon option, je mets la liste des routeurs que je veux traverser, donc des routeurs suivants. Alors on pourrait mettre R2, R3, R4, ainsi de suite jusqu'à B. Ici, bah, juste après le routeur R1, on va vraiment vers la destination. Donc on envoie le paquet est vu par tous les routeurs intermédiaires comme un paquet avec option. Donc les messages, les paquets vont être envoyés à la carte supervision et donc freinés dans leur traversée dans tous les routeurs intermédiaires. Ensuite, on envoie le paquet à R1. Donc R1 détermine, voit aussi qu'il s'agit d'un paquet à option, l'envoie donc à un traitement exceptionnel et là va découvrir qu'il s'agit de son adresse. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va commuter les adresses et donc prendre celle que l'on pointait dans le champ option, c'est-à-dire B, le mettre à la place de la destination, et R1 qu'on avait ici, on le met dans les options et on dit qu'on l'a passé. Donc ensuite, on continue à émettre le paquet sur le réseau, et là, même chose, on va avoir un traitement spécial qui va être fait par tous les routeurs intermédiaires jusqu'à ce que l'on arrive à la destination. Donc là, on a freiné notre paquet dans tous les éléments du réseau à cause de l'utilisation des options. Alors, en V6, comment on va faire? Ben, on va traiter le problème de manière différente. C'est-à-dire que ici, j'ai mon en-tête de type fixe IPv6. Et en fait, qu'est-ce que je dis ici? C'est j'envoie un paquet à R1. Et après, je vais avoir un protocole qui va être donc le protocole de routage, de source routing, l'extension de routage. Donc, j'envoie à R1, donc là c'est conversation normale, émission normale de paquet vers une destination, donc aucune exception ici au niveau des routeurs, tous les routeurs vont passer un paquet de niveau 3 qui contient des données, et ces données, bon, ce sont des protocoles, et sont produits par des protocoles de niveau supérieur. Donc on arrive à R1. R1 reconnaît son adresse IP,
Et donc, qu'est-ce que fait R1 maintenant? C'est envoyer le paquet à l'entité protocolaire de niveau 4 qui va traiter les données. Donc, l'entité de protocolaire de niveau 4 est identifiée ici comme étant routage. Donc, on envoie à routage. Et que va faire routage? Eh bien, routage va inverser les adresses. Et ensuite, on va envoyer le paquet vers la destination. Donc, B. Donc, qu'est-ce que l'on a fait ici? Eh bien, on a rendu invisible, on a banalisé le traitement dans ces routeurs intermédiaires. Le seul routeur qui va ralentir le paquet, c'est le routeur R1, mais c'est normal, puisque là, on a un traitement particulier à faire. Donc ça, c'est la théorie, et vous voyez que là, ça marche parfaitement, parce que notre paquet est un paquet banalisé. Alors, ça marche tellement bien, qu'on a maintenant interdit l'usage de cette extension. Alors, pourquoi? Parce que, supposez qu'on ait, par exemple, un réseau. Donc, j'ai un routeur ici, j'arrive sur un réseau radio, c'est plus rigolo, vers un mobile. Donc, on va appeler le routeur qui est derrière cette réseau radio R1, et ici, j'ai B. Et donc, je vais faire un paquet, mettons, de A vers R1, et ici, je mets une extension routage. Alors, contrairement à IPv4, je n'ai pas de contrainte de longueur. Je peux utiliser toute la taille de mon paquet pour le faire. Et ici, je vais mettre donc B, R1, B, R1, B, R1, et puis ici, un petit protocole de niveau 4 pour faire joli, sur lequel je vais pointer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais émettre mon paquet. Mon paquet, donc, va se retrouver à R1. R1, on dit, il faut l'envoyer à B. B dit, il faut l'envoyer à R1. R1 dit, il faut l'envoyer à B. B dit qu'il faut l'envoyer à R1, ainsi de suite. Et donc, qu'est-ce que j'ai créé ici? C'est un duplicateur de paquets. Donc, mon attaquant ici envoie un seul paquet sur le réseau. Et ce ping-pong entre les deux fait que l'on va générer, on va multiplier par 5 ou 6, même voire plus, hein, puisque c'est mettre donc plusieurs adresses IPv6 dans 1500 octets, donc vous pouvez en mettre beaucoup. Donc on va, en plus du traitement que l'on va infliger aux routeurs et aux stations, on va donc émettre beaucoup de paquets sur le réseau. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir dans l'Internet, des endroits où on peut, à partir d'un seul paquet émis, en produire beaucoup d'autres. Parce que ça, c'est une voie pour des attaques par déni de service. Alors c'est dommage parce que l'option mobilité, c'est quelque chose de... Enfin, l'option routage, c'est quelque chose d'important pour la mobilité. Alors on va voir rapidement, hein, vous verrez ça en cours... plus en détail avec Jean-Marie Bonin. Mais en gros, vous avez en mobilité, vous avez ce qu'on appelle un correspondant de node, c'est-à-dire quelqu'un qui veut vous joindre. Alors vous êtes soit sur votre réseau fixe, donc c'est-à-dire qu'au niveau du DNS, on a enregistré cette adresse avec votre nom de machine, mais vous avez le droit aussi de vous déplacer et d'aller sur un autre réseau. Donc, par exemple, supposons qu'on ait une phase de mobilité. Donc le problème, c'est, vous rappelez, une connexion, c'est identifié par 5 valeurs, adresse source, adresse destination, port source, port destination et protocole. Donc, supposons que j'envoie ici un message. Donc quand je suis là, pas de problème, je réponds. Maintenant, quand je ne suis plus là, je me suis déplacé, et bien ce message-là pourra être intercepté par un élément qu'on appelle un home agent et qui sera capable de gérer mon adresse à ma place. Alors avant
après mon déplacement, j'ai envoyé ici un message particulier que je peux chiffrer, authentifier, qui s'appelle un binding update, où je vais donner mon adresse temporaire. Donc l'adresse permanente, c'est ce qu'on appelle la home address, et l'adresse temporaire, c'est ce qu'on appelle la care of address. Donc, j'envoie ça. Alors maintenant, le paquet que j'ai émis, eh bien ce qu'on peut faire, c'est le tunneler, et donc l'envoyer, donc un paquet de home agent vers care of address, donc ça c'est un paquet IP, dans lequel je remets le paquet IP de correspondent node vers home address. Donc de cette manière-là, je vais pouvoir l'envoyer ici, et la machine qui a bougé pourra toujours identifier le paquet grâce au home address. Alors ça, c'est quelque chose qui est simple à faire, on fait des tunnels, mais on peut essayer d'optimiser en disant, bah, c'est idiot que le correspondant émette toujours vers la même adresse, on voudrait que le correspondant envoie directement l'information ici. Alors c'est pas quelque chose d'immédiat et d'évident à faire, mais supposons que maintenant que j'ai reçu le premier paquet, je veuille optimiser la communication et j'envoie un binding update au correspondant. Donc maintenant, le correspondant connaît l'adresse que j'ai sur le nouveau réseau. Le problème, c'est que on peut pas faire ça. Parce que si je fais ça, donc j'utilise à la place de ma care of address, de ma home address que j'avais reçu ici, j'utilise ma care of address, ça veut dire que je change le port destination et en fait je casse mes connexions TCP. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est jongler, un peu comme on avait fait ici avec l'ajout de deux entêtes. Donc comment je peux faire ça? Eh bien, j'envoie un paquet IPv6 de l'adresse du correspondant vers l'adresse de la care of address. Donc, mon adresse temporaire sur le réseau. Et derrière, je mets une option de routing, donc une option de routage, où je mets la home address. Et ensuite, je mets mon protocole TCP. Donc, quand j'envoie un paquet de cette manière-là sur le réseau, tous les routeurs intermédiaires vont juste voir un paquet IPv6 vers la care of address. Donc, mon paquet va être traité de manière normale sur le réseau. Le paquet arrive au destinataire. Le destinataire voit l'extension routage. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il change ici la care of address par la home address. Il enlève l'option de routage et donne ça au niveau 4. Pour le niveau 4, c'est comme si on était dans notre position initiale, puisqu'on a une communication entre le correspondant et l'adresse permanente. Et donc on a caché, on a géré la mobilité au niveau 2, au niveau 3, et quand on est passé au niveau 4, on a caché la mobilité à l'équipement. Donc ça marche dans un sens. Dans l'autre sens, c'est-à-dire quand le correspondant va répondre, on pourrait dire on peut faire quelque chose de relativement simple. Dans ce cas-là, c'est l'adresse destination qui est importante. Donc j'utilise ma home address vers l'adresse de mon correspondant. Donc le paquet va être routé sur le réseau avec l'adresse destination. Il arrive ici et le correspondant voit un paquet venant de la home address, il est content. Sauf que ça, on l'a déjà vu la semaine dernière, c'est interdit. Ou c'est fortement réprimé par les opérateurs. C'est-à-dire qu'un opérateur qui voit un paquet avec un préfixe qu'il n'a pas affecté, eh bien, pourra le rejeter en disant, ça c'est une usurpation d'adresse, c'est une attaque sur le réseau. Et donc, dans ce cas-là, mon paquet sera refusé. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'émets mon paquet avec ma care of address vers
mon nœud correspondant. Et ce que je fais, c'est je pointe vers une autre extension qu'on appelle une extension destination. Et cette option, cette extension destination, va contenir la home address. Et ici, après, je mets mon niveau 4. Donc, le paquet est accepté par le réseau parce que l'adresse est légale. C'est le préfixe qu'on avait assigné à ce site. Et le paquet, donc, est routé jusqu'à la destination, le nœud correspondant. Que fait le nœud correspondant? Il voit qu'il est le destinataire, donc il va traiter, il va passer ça au niveau supérieur. Le niveau supérieur voit qu'il s'agit d'une extension destination, et donc va changer l'adresse care of address par l'adresse home address, et va enlever cette option, cette extension, et va donner donc l'entête IP et le protocole niveau 4. Et donc là, pareil, on a l'impression que le correspondant était avec son adresse permanente. Donc on a caché également la mobilité. Donc c'est quelque chose qui est très courant maintenant dans les réseaux. Vous avez plusieurs protocoles qui font ça, qui vont se mettre entre le niveau 3 et le niveau 4 pour jongler avec les adresses, pour traiter soit les problèmes de mobilité, comme on l'a vu ici avec ces extensions, soit des problèmes de multi-homing qui sont relativement similaires à de la mobilité. C'est-à-dire le multi-homing, c'est vous avez plusieurs attachements au réseau. Donc si vous changez le routage en interne, eh bien vous allez vous rapprocher d'un routeur et donc vous allez sortir par un autre routeur. C'est comme si vous aviez virtuellement bougé dans le réseau. Donc on va retrouver, c'est pas exactement les mêmes mécanismes, mais on va retrouver des fonctions très, très similaires. Alors, oui. Alors, dans ce cas-là, c'est vu d'un point de vue standardisation, donc ce protocole est vu comme un protocole de niveau 3, parce qu'il s'agit d'une extension d'IPv6. Donc on va le rattacher à un niveau 3. Mais fonctionnellement parlant, j'ai un paquet ici avec une valeur, mettons, qui est 6, qui indique que c'est du TCP, et à la place de mettre 6 ici, je mets une valeur, mettons 41, qui définit qu'il s'agit d'une option. Donc ça ne change rien au niveau 3. Simplement après, je vais trouver, quand je vais prendre mon paquet, et que je vais donner le contenu à l'entité protocolaire, que là je vais donner à une entité protocolaire qui est plutôt standardisée dans les groupes IPv6 qu'ailleurs. Donc mais fonctionnellement, c'est vu comme du niveau 4. C'est-à-dire, je le passe au niveau supérieur. Ça revient à peu près au même. C'est-à-dire qu'on insère des couches. Normalement, on a des traits. Après, ce qu'il faut voir, c'est que, bon, là, on joue un peu sur les numérotations. C'est-à-dire que on a vu que dans le modèle OSI, on n'utilisait pas toujours les 7 couches. Donc, on est un niveau 3 par rapport à quelqu'un. Si je mets ATM se prétend être niveau 3, mais si je mets de l'IP dans ATM, à ce moment-là, je considère, j'utilise ATM comme une technologie de niveau 2. Donc c'est vraiment par rapport à la fonction que je fais que je vais dire si c'est niveau 3 ou niveau 2. Donc là, c'est pareil, c'est-à-dire que je vais considérer ça comme un niveau 4 parce que je ne le traite pas dans le réseau. Par contre, je vais le considérer comme appartenant au niveau 3 parce que c'est des ajouts que j'ai faits par rapport à IPv6. Oui. On est en V6, donc on n'a plus de NAT. NPT V6. Alors, si on fait du NPT V6, bah ça, normalement, ça ne devrait pas changer grand-chose, parce que mon home address reste constante. Donc, dans ce cas-là, ça ne posera pas de problème. J'ai ma care of address, mon adresse temporaire, qui sera retraduite. Mais ma home address, elle restera la même. Donc si je la connais, donc, il n'y a pas d'acquittement là. Non, datagramme. Ça peut être un portable avec un serveur,
et je me déplace d'un réseau à un autre. Donc, je veux dire, au niveau 2, 3, on va gérer la mobilité, mais entre le niveau 3 et le niveau 4, on va retravailler les adresses pour que le niveau 4 voit de la stabilité. Donc, vous avez plusieurs méthodes pour faire ça. Par exemple, vous avez un protocole qui s'appelle HIP, Host Identity Protocol, qui consiste à dire que mon adresse de niveau 4, en fait, ça va être un hash d'une clé publique, enfin d'un certificat. Donc mon adresse de niveau 4 ne sera pas une adresse routable. Donc j'ai un certificat qui me permet de m'identifier sur la Terre entière, suivant une chaîne de certification. J'en prends le hash et j'en définis mon adresse de niveau 4, c'est-à-dire presque les 128 bits. Vous avez un groupe d'adresses qui a été défini à l'IETF pour ça. Et donc, quand je fais ma connexion de niveau 4 à niveau 4, j'utilise ces hash des certificats au niveau, par exemple, de TCP. Et après, quand je vais descendre, là, je passe au niveau 3, et là, je vais utiliser des adresses IPv6 telles que l'on les a vues. Donc, je vais aussi utiliser IPsec pour le chiffrement. Et les clés utilisées par IPsec sont celles qui sont portées par les certificats. Et donc, quand je reçois un paquet ici, je vais pouvoir le déchiffrer grâce à la clé publique du certificat de l'autre. Je connais le certificat de l'autre, et donc je suis capable de recalculer son identité que je vais fournir à ma couche de niveau 4. Donc là, on se retrouve dans deux espaces d'adressage complètement différents. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un espace d'adressage de niveau 4 qui n'a absolument aucune fonction de routage, qui est juste là pour identifier. Et vous avez un espace d'adressage de niveau 3 qui, lui, va être utilisé pour router l'information. Et donc là, ce sont, au niveau des réseaux, ce sont des tentatives que l'on a de pouvoir séparer, hein, puisqu'on reprend notre célèbre 5 valeurs, adresse source, adresse destination, port source, port destination, protocole. Donc on a vu que ça, au niveau 4, ça permet d'identifier un flux. Donc c'est ce qu'on appelle un identifier. Maintenant, ça, au niveau 3, ça sert à vous trouver. C'est donc un localisateur. Alors, le problème, ou l'avantage dans Internet, c'est que c'est lié. Donc vous avez une très forte relation entre le niveau 4 et le niveau 3. Donc ça vous simplifie énormément la sécurité du réseau, puisque un intrus ne peut pas utiliser autre chose que les valeurs qui sont définies ici. Par contre, dès qu'on arrive dans des comportements un peu plus complexes de réseau, mobilité ou multi-homing, là, on a des problèmes. Donc, il faut arriver à casser le lien entre identification et localisation. Mais en cassant ce lien, on doit quand même assurer de la sécurité. Parce que si je le casse trop, ça veut dire que n'importe quel intrus peut maintenant utiliser les identifiants et utiliser d'autres localisateurs. Donc on peut insérer du trafic dans des trafics existants. Donc vous avez plein de techniques, par exemple Mobile IP, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est un moyen d'insérer, de limiter ce lien entre la fonction d'identification et la fonction de localisation. Mais c'est une technique. Vous avez HIP, donc Host Identity Protocol, qui lui ne va pas transporter d'informations supplémentaires, mais va se baser sur des informations qui sont déjà stockées dans les routeurs, qui sont les certificats. Et donc, grâce aux certificats, je peux reconstruire les identifiants utilisés au niveau 4. Et comme c'est des certificats, on garde un lien sécuritaire entre les deux. Une relation sécuritaire entre les deux.
Vous avez d'autres protocoles qui sont expérimentaux, dans lesquels on va utiliser aussi des extensions et un peu de crypto pour établir ces liens. C'est par exemple un protocole qui s'appelle SHIM-6, qui est expérimental à l'IETF et qui vous permet de jongler avec plusieurs adresses. On a vu que dans un réseau IPv6 idéal, si on avait plusieurs fournisseurs de plusieurs ISP, eh bien on aurait une adresse IP par ISP. Et donc ce que l'on va faire, c'est en choisir une qui est celle qui va nous servir à identifier les connexions. On s'en sert au niveau 4. Et au niveau 3, on choisira une adresse qui nous permet de joindre, parmi toutes celles qui existent, une adresse qui nous permet de joindre le destinataire. Et quand on arrive au destinataire, on revient avec l'adresse de base qui nous sert à identifier les connexions. Donc ça, ce sont plein de protocoles expérimentaux qui existent et qui permettraient donc d'éviter d'avoir des adresses PI pour pouvoir gérer le multi-homing, et ça permet aussi donc de faire de la mobilité. Donc, mais ça, on est vraiment sur des protocoles très expérimentaux que l'on ne rencontre pas dans la vie de tous les jours. Alors, on dépile. Pour en venir à ce qu'on disait, donc, au niveau de l'extension, par exemple, de routage, on va avoir donc le routage où on a le droit de mettre autant d'adresses que l'on veut, donc on appelle RH0. Donc celui-là, maintenant, a été interdit par l'IETF pour les problèmes de ping-pong qu'on a vu tout à l'heure. En mobilité, vous aurez un routing header qui s'appelle 2, et vous avez aussi un routing header 3 qui est en cours de définition à l'IETF pour les réseaux de capteurs. J'en parlerai pas ici, mais on verra ça si vous suivez objet et service. Donc on verra ce type de routage.